Il est un peu plus de 21h lorsque le nouveau ministre de l'Intérieur entre dans la cour du commissariat de Cergy-Pontoise, encadré par les élus locaux et les responsables des services de police. Pour son premier déplacement sur le terrain, Bruno Leroux, ex-député de Seine-Saint-Denis, a choisi la banlieue. Première revue des effectifs, avant de retrouver le poste de commandement et d'information du commissariat. Si je vois dans les environs un équipage qui est disponible, je le rapproche. Objectif de cette soirée, rencontrer toutes les composantes de la sécurité intérieure. Bruno Leroux poursuit ainsi sa visite au groupement de gendarmerie. Après, comme matériel spécifique, SIG Sabre, vous avez au niveau d'armement le HKG-36. Ainsi qu'au service départemental d'incendie et de secours à la rencontre des pompiers. Signe fort à l'égard des forces de l'ordre, Bruno Leroux s'est rendu un peu plus tôt dans la soirée à l'hôpital Saint-Louis à Paris, au chevet du policier grièvement brûlé de Viry-Châtillon.